Bonsoir et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Zinlen ou Shinai comme vous voulez. Hey, salut. On a un problème de surpoids. Ouais, ça peut se en régler. En fait, on a un problème de carcasse. D'influence. Pour 100 d'influence, on peut avoir 100 de 50 de transport supplémentaire. Bah si tu veux, vas-y, let's go. Ouais, on est d'accord avec. Hein. Allez go. On est raccord, on est raccord. Allez, ouais, c'est l'heure de la bagarre. Hein, tu voulais te battre dans la ville maudite. C'est la ville maudite, c'est parti. C'est la première fois que je le fais. Alors, je tiens juste à préciser ouais, pour ton tube que là en plus j'ai un peu optimisé, c'est-à-dire qu'on s'est calé un petit ragoût dans le pif et les côtes de loup là qu'on avait précédemment, ce qui fait qu'on a un bonus au critique, je crois, 10 ou 20%, je sais plus. 20. 20% et le ragoût fait que en combat intérieur, les ennemis ont surprise, donc ils subissent 10% de dégâts supplémentaires et qu'en fait, dans ce contexte-là, quand vous faites attaquer, vous vous faites attaquer dans un bâtiment. Donc c'est le moment très intéressant de le faire. Qu'est-ce qu'on envoie? On envoie des gens légers furtifs. Sophia, je pense. Oui, alors ça, c'est sûr. Mélanine. Sophia. Mélanine. Ouais. Bah en fait, tout ton crew, quoi, en fait. En fait... Il manque de la volonté. Il manque de la volonté. Bah c'est le moment où on rajoute des lanciers, hein. Et si on met celui-là? En enlevant un archer, peut-être? De toute façon, là, la troupe, elle est bruyante. Hein. Donc là, là, c'est trop tard. On est bruyant, donc je t'explique. Ouais, on y va. Vas-y, on va fout tout le monde, là. C'est allez, bon, un 102 bruit. Premier crochetage, ça va être le bordel. Hein. Eh, attends, t'as pas mis les poneys? Bah non, mais ouais, mais on les emmène pas au combat, eux. Ah, mince. Attends, comment ça? Où est tout le monde? Alors attends. Attends, là c'était la troupe de reconnaissance. Je comprends rien. Oui, c'est ça. Former une troupe de reconnaissance suffisamment volontaire et silencieuse pour explorer ce village abandonné en toute sécurité. Laisse-moi y aller avec tous mes gros là. Ah la souris! Arrête! Arrête de faire chier. Voilà. Bah explorer hein. On fait un petit peu de bruit je crois. Voilà. On peut inspecter ça. Tandis que vos compagnons fouillent les étagères, l'une d'elles se décolle lentement du mur. Un compagnon suffisamment assez fort pourrait soutenir son poids et empêcher sa chute. Attendez, j'ai ce qu'il vous faut monsieur. Vas-y, retenir, choisis un compagnon, je te laisse faire. Je crois que t'as... Os de barde. Ouais, t'as... Voilà. Mal. Super. Du coup, on peut fouiller dedans? Non, mais regarde, t'as ton échantillon pestiféré à récupérer, 5 bottles. Et t'as tout gagné ou pas? Ouais. Étagère suivante? Oh, des huiles d'essence de putréfiède. Est-ce que tu veux le mettre sur, sur Taurus ou quoi que ce soit? Bon, déjà, je te laisse récupérer tes plantasses. Ah oui, d'ailleurs, tiens, prends tes plantasses là. Faut que j'aide. Au secours. Au secours, ma souris. Est-ce que tu veux l'utiliser sur un de tes gars qui n'a rien? Oui, si tu veux, je me trouve ça quelqu'un d'inutile. Parce que là, on va se battre contre des pestiférés. Ouais, tout à fait, on peut faire ça. Taurus, tu voulais lui mettre de l'explosif, je crois. Ouais, ça pourrait être drôle. C'était pas ça, ouais, c'est ça, l'explosif sur Taurus. Explosive. Sur Mélanine, ta hache à la con. Mélanine, tu vas te mettre empoisonné. Le lieutenant Will. Eh ben, Will sera un spécialiste des pestiférés. Voilà. T'as quoi? Renforcement. Chaque fois que cette compétence s'afflige, les dégâts réduits pendant 3 tours. Est-ce que tu veux que je mette ça sur un autre lieutenant? Ou pas? Est-ce que tu veux que je t'écoule tes trucs, en fait? Tu peux les écouler. Hein, ah bah, attaque d'opportunité sur Stevie, hein. Vas-y. 15% de dégâts d'attaque d'opportunité. Allez hop. Vas-y, je t'en prie. Je les laisse sur... J'ai pris déjà un truc de critique, moi, sur Zinlen. Oh ouais. Renforcement ou promptitude? Augmenter la dextérité, j'ai pas besoin, ça. Réduit les dégâts subis pendant... Ah, voilà, ça, par contre, ça peut être utile sur ma vie, voilà. Gentiment. Voilà, puisque c'est notre bouclier. C'est un boubou. Voilà. Et on a réduit un peu notre poids ou pas? Ouais.
Au passage, on a débloqué quelque chose dans les voies. Hein. Je profite en récup. Bah, c'est tu la récup. Ouais. Un génie. Bravo, mec. Qu'est-ce qu'on a d'autre à explorer là-dedans? Je tourne la caméra. Ouais, caméra 1, ouais. Caméra 2. Y'a rien. On peut sortir. Okay. Sortons. On est safe, on est safe. Silencieux. Alors. La forge. Est-ce qu'on va dans la forge? Ah ouais, bah, si tu veux, hein. Allez, les embrouilles. Eh bah, on va faire de l'élimination, hein. Combat. Ah ouais, oui, alors on l'éliminera plus tard. On revient, monsieur. On gère votre pote. Voilà. Alors. Ok. Ouais, je te laisse regarder un peu ce que ça raconte. Utiliser la compétence trouvée issue. Pour charger la jauge et fuir le bâtiment. Faut fuir le bâtiment ? Oui. Obligatoirement ? Ah oui, sinon ça arrive à l'infini. Oh. Alors, toute la tactique, la technique et la tachetique consiste à ne pas donc utiliser son action de base. Donc idéalement, toi tu vas beaucoup jouer, c'est-à-dire qu'il faut tuer les ennemis en un seul coup sans utiliser son action de base. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais il y a que deux spawns là. Mais pour l'instant ça va augmenter mon grand, ça va bien se passer. Mmh. Et c'est pour ça qu'il faut absolument ne pas rater une seule occasion de trouver passage secret à 33%. Ok? D'accord, ok. Voilà, voilà. Donc là, il y a deux ennemis à gérer, je te laisse gérer comme bon te semble. Et évidemment, idéalement, faut commencer à se regrouper vers le centre pour que tous nos compagnons puissent devenir les meilleurs amis du monde ou s'octroyer tous les bonus du monde puisque tu vas avoir besoin de one-shot tous les ennemis qui se pourraient présenter. Voilà. Eh bien, je t'invite à commencer avec à mon beau mur. À mon beau mur? Parce que... Ouais, pour générer Parce du que point. Tu veux du point? Ouais. Je vais pas faire 50 000 points, mais je t'en sors 3. Hein, je t'en sors 3. Hein. Ah ouais, tu m'en sors 3, ça sera très bien pour Zimlen. Comme ça, je pourrais faire potentiellement ouvrir la zone. Et je vais là, me placer. Je vais me placer collé à Mavig. Mavig me paraît bien au centre. Là, comme ça, Zimlen voilà. Il vient juste à côté. Voilà, je te laisse faire. Ah, t'as pas fait le trouver issue? Ah oui, merde! Bah, j'ai oublié. Désolé. Oh là 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 là. Voilà, tu te places en quincon, c'est très bonne idée, félicitations. Je vais faire trouver. Ok. Et je vais mettre ça comme ça, ça me paraît bien. Et tu pouvais pas lancer une flèche de feu avant? C'est mon attaque de base. Quoi? Bah oui. La flèche incendiaire. Ah oui, oui tu peux la pas. La flèche incendiaire, c'est mon attaque de base. Exact. J'ai fait Putain, c'est vrai. Excuse-moi. Pas l'habitude d'utiliser des archers. C'est bizarre comme bestiole. Ouais. Ça ne veut rien dire. Est-ce que ce monde est sérieux? Je vais donc déployer un Taurus. Puisqu'il va pouvoir boosted tout le monde, hein, grosso et merdo. Et one-shot ce connard là. Oui, ah, pour passage. Je vais d'ailleurs tout de suite chercher passage secret à 33%, bien sûr. Comme ça, t'oublies pas. Voilà, c'est ça. Je l'ai pas eu. Donc je me mange un nuage de poison. Là c'est le grand moment des archers, hein, sache-le. J'ai plus assez de mouvement pour aller m'aligner là, donc c'est pas grave, je vais venir ici. De toute façon là normalement j'ai tout le monde. Oh j'ai tout le monde. Hein. Oh, j'ai tellement tout le monde, mais genre impeccable. Hein. À un poil de cul près hein, sur la vidéo. Mm-hmm. Mon meilleur ami c'est déjà Idenal. Il va arriver. Non, je choisis sur qui je fais mon boost, on va dire. C'est pour... Aïe, j'ai mal. Mavig peut trouver une issue de secours, voilà. Super. Hop là. Bah, de toute façon, faut faire défiler ramener... tout le monde. Attends. Non, mais tes archers sont pas meilleurs amis. C'est pour ça que je voulais coller un archer au milieu. Un lancier. Qui est meilleur ami avec Will, je crois, non? Il y en a, c'est avec Will, je crois qu'il y en a un qui a meilleur ami avec Will, non? Oui, je me trompe. C'est Taurus, c'est uniquement Taurus et... Ah non, c'est ça, c'est Taurus et... oui, et Denal, il faut que tu le colles là, à côté de Zinlen, justement, effectivement. Oui, c'est ce que je voulais faire, et... Vas-y. J'aurais bien voulu jouer Sophia avant, ou un lieutenant Will, pour mettre génération de points infinie, là. Pour l'instant, il n'y a pas besoin, justement, on colle tout le monde.
En quinconce comme ça. On va chercher. Putain, Zinlan, il en avait trouvé beaucoup là. Bref, ok. Oui, mais tu vas voir, la jauge va ralentir de plus en plus drastiquement. Je peux déplacer en effet Will de ce côté-là. Je vais soigner Taurus pour éviter les problèmes futurs. Parce qu'on a un point en rabat, c'est que je vais rendre un point. Ah oui, mais je peux pas utiliser du coup mon ordre sans claquer du point. Bah, claque du point, c'est pas grave. Ouais, ça fait un point. Sivian et le lieutenant sont améliorés. La relation. Yeah. Bah, il faudrait recoller encore des gens pour profiter du prochain bonus de Sophia. Donc moi, je vais caler. C'est moi ou j'ai passé mon tour sans chercher comme un groupe. Hein. Bon, bref. T'as passé ton tour sans chercher comme un groupe. Voilà, parfait. Ça fait deux fois que je nous mets dedans. Hein. Tu peux m'en vouloir personnellement si tu le souhaites. Attends, ça fait trois fois, tu l'as pas fait. Non, je viens de le faire. C'est la seule chose action que j'ai faite avec lui. Hein. Calme-toi. Calme-toi. Tu te calmes tout de suite. Voilà. Bah, une mélanine, à toi de te coller à nous. Ah oui, j'aurais peut-être dû mettre du coup Will de l'autre côté. Parce que toi, ça te fait faire beaucoup de kilomètres avec Sophie. Hein. Ah ouais, oula. Là, ça a bien ralenti, hein. Ouais. Idéalement, il faudrait qu'elle aille du côté d'Os de Bard. Ouais, elle va faire une petite course. Ouais, tu prends ton petit sprint. Pour ne pas oublier. Et l'ordre. Excellent. Et l'ordre. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a un truc qu'on n'a pas à gérer. Bah, c'est toi qui as tous les assassins et meurtriers en tout genre. Villefripouille. Donc, à moins qu'il y ait des gens que tu veux que moi je joue, etc. Sinon, t'as la main. T'as la main sur tout le temps. Moi, je suis là pour boire du café. Hein. Et passer tous mes tours sans rien faire. Très important. Donc si jamais tu veux que j'utilise un lieutenant, par exemple, pour donner des points ou n'importe quoi, tu me le signales, sinon je ne fais rien. Est-ce que moi, il faut vraiment que j'utilise trouver une issue à chaque fois, parce que... Idéalement, oui. Ok. Oui, parce que t'as pu voir que la jauge a bien ralenti. Mais je te rappelle que moi aussi, j'ai des bonhommes qui peuvent tuer des gars... J'ai le coup fatal là, le terminer les gens. Ouais. T'as gaspillé toutes tes flèches? Oui, j'ai gaspillé toutes mes flèches. Mais il faut pas, en fait. Je voudrais éviter d'utiliser un truc. T'évites d'utiliser un truc. Le rat, on s'en fout, normalement tu le one-shot le rat. Non, c'est pas le rat, c'est lui que je voulais buter. Oui, mais c'est dans l'ordre de jeu, le rat il joue en prochain, normalement rat, 58 dégâts tu lui mets. Le rat il est mort, hein. Moi, oui, donc j'ai le temps de chercher un passage avec un lieutenant, n'importe quoi, voilà, un gars. Ouais, j'ai cherché un passage, et je passe mon tour et ça fait 2 points. Voilà. Merci gros. Ok. Là après. Et ben, il meurt. Voilà. Chercher un passage. Oh, il y a eu un coup critique là. Possible. Ensuite, c'est lui. Est-ce qu'il y a des besoins particuliers? Bah, je peux remettre la zone sur les deux qui vont arriver là. Je peux déplacer la zone, quoi. Oui. Tu veux. Ou alors, tu bouges un lieutenant et tu vas l'empêcher de bouger, lui. Enfin, lieutenant Will, quoi. Je crois qu'il a pas encore joué. Oui, il a pas encore joué. Pour empêcher celui qui nous fonce dessus de nous attaquer, ouais. C'est ça, ouais. J'ai même pas besoin de le bouger. Hein. Oui, bah oui. Hop.
Je cherche. Chercher passage secret à 33%. Et là, tu es couvert. T'as une couverture sociale immédiate. Tu recules. Ouais, c'est le moment de jouer des zones, hein. Normalement. On peut se régaler. Oui, de toute façon, vous êtes déjà boosted. Le prochain zombie, là, faut faire quelque chose. Non, faut pas. Ça sert à rien. Il est neutra, on s'en fout. Voilà, lui, il est pas neutra. Lui, faut faire quelque chose. Donc, faut choisir, faut faire des choses, mais lui, faut le gérer. Que ce soit en bougeant tes gars, en bougeant de mes gars. Tu peux envoyer mon mur ou pas? Bah non, parce que je n'ai pas la course avec mon mur. Ouais. Sauf si Zinlen, lui, a la course. Ah ouais, mais ça brise la ligne. J'ai la course avec le gros. Le gros, il a une course. Ouais. Bah vas-y avec le gros. Hop. Ah. Malheureusement, je suis bloqué, donc autant que j'utilise mon action simple, parce que je ne peux... C'était pas l'idée normalement, mais j'aurais aimé le descendre en dessous de ce qu'il avait. Ce qui était donc pas possible. Je vais donc me coller. La ligne est brisée. Hein. Pas grave, c'est pas grave. House de barre des Inlands. House de barre des Inlands. Enfin, il s'apprécie. Première fois s'apprécie, qu'il va, s'apprécie. Mélanine, tu vas aller l'achever. Il y a même pas besoin. Hein. Ça, si tu veux récupérer du point facile gratos, genre dépenser un, gagner un, mais c'est à peu enfin gagner ça, deux, ouais. Normalement. Bah, même pas dépenser, tu vois. Ah, si, parce que t'as lancé un couteau, là. Du coup t'as lancé du matos. Ouais. Ce qui est dommage. C'était un couteau qu'on avait trouvé. Ouais, mais vaut mieux le garder dans ces cas. On a rien, on a pas de forge dans le coin, mec, c'est la misère. C'est vrai. Oh, on pourra peut-être forger dans le coin. Tac. Je passe le tour avec mon gars. Je passe mes tours parce que j'ai rien pour soigner House de Bard, hein, donc je laisse couler. Ça, je vais revenir former la ligne. Et on ne va pas oublier. Ok. Sophia et Stivian s'est amélioré. Hein. Tu vois, c'est l'endroit pour améliorer les relations entre les gens. Ça resserre les coudes de se retrouver à jouer avec Toulouse d'un seul coup. Hein. Ouais, un peu, ouais. Un peu. Je vais nous réutiliser 2 points. Hein. Non, tu réutiliseras rien du tout. Il n'y a pas d'ennemis. Qu'est-ce que tu vas réutiliser? Ok. Bah, il n'y a aucune raison que tu nous gaspilles 2 points. Est-ce que je mets une... Bah non, c'est une flèche enflammée, je peux pas. Mais fais juste chercher passage secret à 33% et terminé. Ok. Voilà, parce que là il y a plein d'autres entrées qui se créent, voilà. Des tas de nouvelles possibilités cosmiques et phénoménales s'offrent à nous maintenant. Oh, un petit pestiféré qui est apparu là. Il est beau lui. Oh lui, Polo. Polo, il est beau. Ah, oh, il bah, a pris on des risques. Oui, c'est pour moi ça. Ah, un globe oculaire rouge. Ouais. Dans la pièce se trouve un pestiféré qui ne vous a pas encore repéré. Vous pourriez repartir ou tenter de... J'ai pas eu le temps de finir, merci. Ah, pardon. Tenter de l'éliminer en toute discrétion. Donc il faut choisir de quelqu'un de discret. Os de barde. Sophia, allez go. Ouais, vraiment. Alors qu'os de barde, tranquille, hein. Ok, bah pourquoi ils nous ont sorti de la forge, on a plus le temps de la fouiller? Bah parce bon. Qu'on a... Ah bah parce qu'on a fait un tapage nocturne, pas possible, donc on entre en forge. Oh regarde, il y a un petit coffre. Alors fais gaffe pour le petit coffre. Oh des appâts, non. Eh, rends-moi la picole. Ça va, je t'ai vu. Hein. J'ai vu tirer la picole. Là. Des lanières de cuir, c'est lanière... tant que cette unité est engagée, elle a lanière de cuir, la garde augmentée de 10%. Oh. C'est pas mal ça! C'est pas mal hein! Je peux mettre ça sur mon capitaine, parce que je sais qu'il a une lanière de merde. Enfin, de merde pas ouf, je crois.
Dégâts subis, des attaques d'opportunité réduites 50%. Oui, on s'en fout un peu. Moi, je veux mettre un peu plus de garde sur mon capitaine. Attends, elle a quoi ma vigue? Ah, elle a déjà des trucs qui réduisent le port de les armures lourdes. Ouais. Hop là, donc ça c'est à vendre. Hein. Sauf si quelqu'un n'a pas d'item de ceinture et voudrait réduire les attaques d'opportunidad. Non, okay. Ça ira. Critique 5%, ah oui, beau gosse. Alors là, bon, méfie-toi bien. Ouais. Chaque raté, chaque cric, fait du bruit. Alors tais-toi s'il te plaît alors. Comme quand je forge? Ok, ouais. Putain. Je l'ai pété. Ok. Ok. Merde. Alors attends, annule. Chut. Pas annulé, hein. Non, ouais, bah annule. Parce que j'aurais bien fouillé le reste de la pièce. T'as fouillé tous les autres coffres? Tous les autres machins? Oui, c'est bon. Oui. Ok, c'est bon, tu peux faire ton truc alors. Oh putain! Ah oui, tu reprends depuis zéro. Et t'as vu que la quantité de bruit. D'accord. Elle est généreuse, hein. À ce stade-là, on dirait Os de Bard qui crochette, quoi. Sauf que le coffre, il serait déjà ouvert, il serait embouilli. Oh, c'est pas vrai, j'en ai marre de recommencer. Bon. Ah, si, hein, c'est la vie de crocheteur. Hein. Ok, j'en ai un. Mais... Oh... Bon bah on va se retaper un combat hein. Ouais mais alors tant qu'à se retaper un combat, je partirai et j'irai ouvrir un autre bâtiment dans lequel on va faire sans bruit en fait. Pas faux, vas-y. Ça au moins on découvre un nouvel endroit, j'aurai exploré cet endroit. Alors tu vois, on fait 8000 de bruit, ton combat est terminé tu vois. C'est un peu le mode invasion quelque part. On adore, hein. On adore l'humour. On a un rat qui joue dans deux actions, ce qui nous laisse le temps de jouer un capitaine. Ouais. De gratter moult pointas. Et de commencer à former une ligne en quincon ici, parce que j'ai pas de move. Voilà. Ouais, t'as oublié. Non, c'était volontaire. peux jouer un taurus si vous voulez, qui va et donner son point et tabasser le rat, si vous voulez. Vas-y, va tabasser le rat.
Ah, j'ai pas tirailleuse. C'est pas grave. Vas-y. Mais ils n'ont pas surpris, hein. Pour info. Ils ont pas surpris. On s'est fait douiller, là. Ils prennent pas. Ouais, ils ont s'est fait douiller. Je pense que ce sera utile pour les ruines et les conneries du genre. Diablement efficace, hein. Je peux tout à fait venir avec un lieutenant là. Ouais, ouais, je vais complètement faire ça en fait. Je vais venir avec un lieutenant là. Je vais chercher passage secret à 832% et demi. Et je vais lui dire tu recules, ouais, terminé, il est géré. Il est géré pour les siècles des siècles, amen. C'est tout. Ouais, c'est tout. Pas besoin de le tuer, hein. Pas pour l'instant, parce qu'au bout d'un moment ça va arriver, mais... Voilà. On va attendre de jouer. On va mettre Edenal à côté. Non, c'était Zinlan qu'il fallait mettre. Oui, mais Zinlan il est à côté, il va pouvoir se mettre là. Ah, ok, ouais, ok, ça marche. Un archer de chaque côté de la ligne, c'est pas déconnant. Ça. Ouais. Reste un petit creux pour tirailleuse. Ça. Ici. C'est qui? Je te propose de faire. Vas-y. Il faudrait me laisser une place là avant que tout le monde arrive, comme ça je pourrais donner mon ordre. Bah va te placer là. Comme ça, moi, bah je ouais, le problème, c'est de dire que je donne pas mon ordre ce tour-ci, je le donne au tour d'après. Pourquoi? Ah oui, parce que l'idée, c'est d'englober le maximum de la ligne. Donc non, je pense que tu peux encore mettre Mélanine ici, puis après, moi, je viendrai me caler là. Parce que les deux gros, c'est pas très intéressant que je les booste. Vas-y, va te caler. Et avec un peu de chance, Sophia aura les deux lieutenants, mais c'est pas sûr, hein. Je pense qu'elle n'en aura qu'un. Non, j'en aurai qu'un seul. Je peux ramener un gros. Vas-y, ramène tes gros. Non, ça a l'air de te passionner, hein, cette vidéo. Oh, c'est même pas une question de passion ou quoi que ce soit. Je te dirais de jouer. Je vais jouer Edenal, comme ça je pourrais en générer deux. Voir un peu son déplacement, ok. Je pourrais pas en gérer deux. Non, mais tu gères juste le rap et si tu fais, c'est très bien. C'est lui qui joue? Non, c'est lui non, qui joue. Non, non, non. Ah oui, ah putain, ça, oui, c'est vrai que ça cavale ces salopards. Ça cavale ces trucs. Ouais, il va falloir que tu le gères avec un de tes gars. Bah, mais lui, prend l'habilité, flèche à distance. Tant pis, tu nous ronges un point, ah, tu sais, oui. On va pas faire. Ah, quoi que oui, genre, si ce qui aurait été intéressant, c'est que je joue un lieutenant avant pour justement éviter qu'on tape dans cette réserve. Puisqu'il jouait pas tout de suite et qu'on avait le temps de jouer un autre gars avant, j'aurais pu jouer un lieutenant, ce qui nous aurait donné du point. Il est géré, hein, il ne viendra jamais. Hein. Le rat, je pense que t'auras aucune difficulté à le gérer, ça devrait bien se passer. Non? Non, ça devrait se passer, ouais. Au pire, je prends mon mur hein, pour taper dessus, hein, c'est pas très gênant. Oui, bah vas-y, vas-y. Juste, je vais trouver une issue avec mon lieutenant. Comme ça, hop. Il donne. Ah oui, mais il a qu'un point. Il est pas pris en charge. Euh.
Comment on gère ce zombie? Est-ce que tu veux que je tape dessus? Ouais, ça, hein. Oh putain, je vais rien lui faire. Oh, je lui fais tellement rien. Pourquoi je lui fais si peu de dégâts? Parce que ta première compétence fait beaucoup de dégâts, mais après tu fais plus rien avec ce perso. Non, non, mais t'as vu, je faisais des 8 dégâts, des machins. Je fais rien fait. Normalement, oui, je tabasse. Je fais... Comment ça se fait que je fais si peu de dégâts? Parce que ta première attaque, c'était mérité. La première attaque, utilisée. Ah, vas-y, tu mets 150% de... tu mets 150% de dégâts supplémentaires, ok, mais bah voilà quoi, c'est tout. Oui, mais ça faisait rien du tout. Enfin, je suis descendu à peine la moitié de sa life. Attends, c'est moi ou il est complètement bloqué? Ouais, il est complètement bloqué, le pestiféré, il pourra pas jouer. Oui. Hop, je soigne un os de barde, je cherche le passage secret à 33%. Passer tour. Pestiféré bloqué. Je peux sortir à mon mur. Faire re-rentrer à mon mur. Chercher passage secret à 33%. Tu recules. Voilà. Et maintenant, on va juste. Chercher passage secret à 33%. Remplacer la zone. Ouais, tu bouges pas! Tu recules. Tu viens de dépenser nos deux derniers points. Eh ben, sad. Ah, hé! Souffle pas, hein! Merci, hein. Surtout pas avec tes personnages, hein, merci. Tes persos qui mangent tout, qui consomment tout, là. Ouais, par contre, elle aurait pu le tuer, le zombie, si elle voulait. Parce que ça lui coûtait 0 à Tyrius. Oui, c'est vrai. Ça nous aurait fait un peu d'XP, ça lui coûtait 0. Le prochain, il marchait dedans, il était mort. C'est très bien. Et ça lui aurait fait un peu d'XP, vu qu'elle est en retard. Pas tant que ça maintenant. Oui, bah elle est aussi en retard que Stevie, hein, quoi. Ouais. Mais par rapport à ma vie, ils sont toujours en retard tous les deux, quoi. C'est pas, pas ouf, quoi. Bon, bah là, si tu veux tuer des choses, voilà. Alors idéalement, ouais, éviter de tuer avec Sophia, qui est un couteau suisse, donc on peut servir plus tard, et qui est pas en retard en XP. Je sais pas si on gagne tous le même XP, en fait, c'est pour ça. On gagne tous le même XP. D'accord. Ok, ok, bon bah, dans ce cas-là, régale-toi. Voilà, n'hésite pas, tue des trucs. Il y a du monde, là. Commence à y avoir du monde. Est-ce que tu veux que je mette une zone avec Zinlen par là? Non, pas du tout. Là, on va partir normalement, donc. Ah bah vas-y. Tant que j'ai envie de te dire, regarde, je prends le lieutenant, oui, je vais chercher passage secret 32%. Là. Voilà. Passer son tour. Ok. Voilà, voilà. Incroyable. Un violent courant d'air violent courant d'air traverse la pièce. Vous entendez un grincement sinistre. La porte par laquelle vos compagnons sont entrés est en train de se refermer. Pour d'un instant à l'autre, elle va claquer et révéler votre présence. Mais peut-être disposez-vous d'un compagnon assez habile pour l'arrêter. Peut-être est-ce son cas. Ouais. On va balancer au hasard. C'est vraiment un homme. Allons visiter cette maison avant que tu te remettes à crocheter partout, là. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette maison? Oh là, il va se remettre à crocheter partout. Mais d'abord... C'est ça qui est rempli de vaisselle, de bibelots et d'outils rouillés. Pourtant, au fond, vous entrevoyez quelque chose de brillant parmi le fourbi inutile. Un compagnon volontaire avec beaucoup de détermination pourrait s'en saisir. C'est quel perso qui a le plus de volonté? Mélanine. Sérieux, elle a combien? 19. Oula, donc... Vas-y, envoie Mélanine. Ah oui, elle parce qu'elle est érudite. 5 voilà. Saphirs. Oh, ça régale. Hein. Ça pognon masse. Hein. Ça masse pognon. Oula. À moi. À moi. Eh oh, rends-moi mes appâts. Tu crois que j'ai pas vu? Le lieutenant te juge. Oui, mais pour te faire
des trucs renforcés, il me faut des... Ah oui, tiens, ah oui, c'est vrai. Des appareils. Tiens, bah tiens. Ouais, ouais. Oui, effectivement. Ouais. Oh là là, il est trop pressé de nous faire un échec critique, c'est terrible. Est-ce que tu veux pas aller... Est-ce que tu ne veux pas aller fouiller la dernière maison avant de commencer ou Ben non, c'est on monte... l'inverse. En fait, faut quasiment que tu Oui. sois à 100% là quand tu fais tes tests de crochetage. Et avant d'aller découvrir une dernière maison, vu qu'on fait 93 de bruit quand on rentre dedans, on y va. En pensant, je fais du rangement d'inventaire. Hein. J'aime les inventaires bien rangés, voyez-vous. Ben non, la bière, c'est un consommable. On va se lâcher une pinte. Ah non, faut qu'on se la garde en plus. Bah oui, YouTube. Sois sérieux, 5 secondes. On se la met ici. Les objets pourris, les cubes, les machins. Ça prend trop de place dans mon inventaire. C'est illisible, ça sert à rien. Les tracks, ça va dégager. Ça va Vas-y, monter. c'est bon. Il m'a énervé celui-là. C'est ouvert? Non. Je vous sens vite agacé, monsieur. Hein. Là, oui. Il n'y a aucune raison. Hein. Tout se passe très très bien. Vous voyez quelque chose qui se passe mal, vous? Moi, je ne vois pas. J'espère qu'il te reste encore une légion de crochets. Oui, il m'en reste 16. Sans la pression jusqu'ici. Ben voilà ton premier coffre. Oh là, superbe. 100 balles Le et luth! le loot, ma gueule. Alors, prends Le ça tout luth! de suite et régale-toi. Oh là 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 là. Oh, je t'invite à aller débloquer la recette du loot maintenant. Nous avons tout fait ici. J'aime beaucoup le cochon sanglier là. J'aime beaucoup son style. Et on peut aller se refaire un coffru, hein. Un de tes coffres. Qui était, je crois, chez le forgeron là. Je sais même plus. Ouais, Forgeron c'est ou le apothicaire? forgeron. Forgeron. Je Forgeron, pense, avant forgeron. de devoir aller se taper une meute de connards. Ouais, j'espère juste que c'est pas le même crochet que il va pas se briser tout de suite. Non, normalement ils sont réinitialisés les crochets. Ok, premier. Oula. Ok, par là. Stop, Ok, terminé. on peut aller dans un autre bâtiment. Allez, c'est l'heure de faire la balade. La balade, la balade. Et on va à la taverne! Oula, excusez-moi madame, est-ce Alors. qu'on a une petite bagarre à faire vite fait? On revient, on revient, on On a revient. une petite bagarre. On Ça a l'air très revient. intéressant ce que vous dites. Ça a l'air super intéressant, mais taper mort-vivant, plus sympa. Alors, on a deux persos qui peuvent donc jouer avant. Avant. Il est où à mon beau mur? À mon beau mur. Ah oui, t'es loin? Ah putain, là, il y avait un spot. Hein. Il y avait un spot, le jeu m'a dit t'en profiteras pas du spot. Culé. Je crois qu'il a rajouté culé.
Est-ce que j'ai une 4 si je me cale là? J'en ai que 3. Et si je me décalais d'un cran à gauche, j'aurais pas Sophia. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, il retour. Il me fait du multi-cliquage. Ah si! Oh, j'arrive à faire 4. Est-ce que tu peux gérer un mort-vivant? Ça se passe comment? Bah, je peux le gérer, oui, mais ça me... Ça me coûterait... Ça me coûterait de... d'utiliser mon attaque de base, donc si tu veux... Parce que 142, je le descends pas sans utiliser attaque de base, hein. Avec qui? Avec tout le monde, j'imagine. Comment ça t'imagines? Je suis sûr qu'avec Mélanine, tu me le OS. Ah non, peut-être pas, parce que tu mets du poison, c'est ça? Il faut que je mette du poison pour pouvoir. Mais eux, le poison, ça les régène pas, ces connards? Si. non, pas eux. Non, pas eux. Si. Ah non, c'est te vomisse du poison. Si, si, le poison régénère un organisme pestiféré. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, ah oui. Donc il y a que Sophia qui pourrait le tomber. C'est ça. 142, elle a plus de torches, elle a plus de. Ouais. Comme tu le sens, tu. S'il faut vraiment que tu claques un bonhomme, claque un bonhomme. Parce que, ouais, Zinlen, si tu le colles à mon mur, il a un bonus, c'est ça? Il a un boostage de dégâts. Oui, après, regarde, Zinlen est plutôt bien placé. Hein. Je viens le mettre là. Ouais, si tu veux. Il a 5% et 30%. Je lui mets un truc de feu sur la gueule. Alors, idéalement, le met peut-être pas là. Ah oui, parce que oui, t'as le bonus de. Oui, oh, si, ok, ouais. Mais de toute façon. Ah oui, tu. Ah oui, bah non, t'as pas le bonus encore. Oui, j'ai pas encore joué l'autre con. Il est où l'autre con? Ah, il est là, l'autre con. Ok, c'est bon, j'ai Taurus. Oui, tout à fait, prends tes bonus, mais je veux dire, après, par contre, replace-toi. plus en caconce par rapport à mon mur. Entre genre mon mur et Mélanine, tu vois. Okay. Parce qu'après, sinon, on sera un petit peu trop au sud, je pense. Trop bas par rapport à la ligne. Alors je vais le mettre ici, comme ça je mettrai la zone de feu sur toutes les personnes qui vont arriver. Voilà. Ah oui, ça l'a mis midlife quoi. Ouais, je dépense 2 points pour le. Pour le. Bah pour le mettre une zone ou pas? Oh, j'ai une idée. Ouais, vas-y, hein, parce qu'ils seront tous enflammés, hein, donc régale-toi. Oui, parce que tu peux pré-shot la prochaine ouverture. Ouais. Alors après, elle s'ouvrira pas forcément tout de suite, mais. Oh non, oh, il meurt. Putain, pas. Mais vraiment, mais Zinlen, quoi, il a 200 bonus, il touche. Il, voilà. Bravo, t'as enflammé. Bah maintenant, faut gérer l'autre pestiféré. Il faut gérer l'autre pestiféré. Tirailleuse sénégalaise, elle peut faire quelque chose. Sophia, j'en sais rien. Ouais, ils sont mais putain mais les lanciers ils sont mal placés bordel de merde. Ouais tu fais comme tu le sens. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux sortir? Sinon je placerai un lancier à portée de tir hein. Comme tu le sens. Ce qui m'emmerde c'est que je sais pas si ça va. Alors attends, je vais la bouger. Faut que je la décale un peu par là. Attends. Un socle. Attends. Un. Deux. Pour être en quincon. Ouais. Non mais c'est pas grave, au début soit... Là de toute façon, vu comment ils nous ont dispatché, on pourra pas forcément être bien proprement en quincon, mais... Là, juste penser au futur. Si je me mets là, je devrais être bien. Ouais, mais joue collé à quelqu'un, c'est mieux. Toujours mieux, ça renforce l'amitié. Allez, tu dégages, on se positionnera à l'occasion. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, c'est bon. Oh, lui a mis un va te faire enculer, je crois. Allez. Non, mais du coup, ouais. Ah, c'est pour prochain. Ouais. Merci d'avoir joué. Allez. Oh, dégâts. Je vais caler un os de barde. Non, on peut pas. Il faut que Mélanine se place en quincon, là, entre Zinlen et mon mur. Entre Zinlen et mon mur. Ouais. Non, Zinlen, oh, le haut, en quincon. Ah, quincon. Oui, c'est Zinlen qui est mal placé.
Je suis désolé, mais je vais utiliser le point qui nous reste pour soigner Zinlen du feu. Non, non, non. Pas maintenant? Non, pas Ok. maintenant. Pas Ok. maintenant, parce que t'as pas besoin de le faire en urgence, puisque son tour s'est terminé. C'est Et vrai. que là, idéalement, ce qu'il faudrait, c'est que je ramène un lancier Stevie en. Ah, mais il va Ouais. pas être bien placé, Stevie, mais c'est pas grave, on l'ajustera au tour prochain. À quoi que si je peux le mettre là? Et qu'avec Sophia, tu nous mettes justement le point de bonus, comme ça quand je vais passer mon tour avec mon lieutenant, on aura gagné un point. D'accord. Ah oui, mais attends, il peut foutre le feu à tout le monde là, Zinlen. Non, 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 c'est quand il termine son tour à C'est côté quand il des autres. termine son tour qu'il répartit le feu. Voilà. Donc c'est Voilà, en pas fait grave. là l'idée c'est que tu donnes sur les gens qui passent leur tour. Edena il est où? Ah, Edena il est là. Non, Edena il est où? Il est où ce con? Ah putain, il est là lui Edna, il aussi. est là. Ouais, je vais essayer de ramener lui. Lui et Denal, ça serait pas mal. Comme ça, tu te places, même si tu seras mal placé en termes de quinconçage. Hein, bah, entre tout ce bordel pour déclencher l'ordre. Comme ça, quand je passe le tour du lieutenant Will, Ouais. j'ai de quoi soigner. Bah là, tu auras même de quoi soigner avec, si tu veux, avec Ouais. Sophie. Hein. N'oublie Ramène pas Edenal. de... Ah merde, j'ai passé son T'as tour, je suis oublié. un abruti. Bah, c'est mon tour. N'oublie pas de chercher passage secret. Je me mets là, Non, 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 à vas-y, côté. mets-toi bien. Non, 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 plus du côté de Zinlen, je pense. Hein. Là. Ça sert à rien de t'exposer plus aux ennemis, je vais mettre un bouclier plutôt au-dessus, tu vois. Peut-être. Sophia. Ouais. Alors, je me mets où? Ici ou Non, ici? non, 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 de l'autre côté. Ah oui, alors non, là tout de suite maintenant, en fait, l'idéal c'est justement tu perds un peu ton tour. C'est que tu viens de placer genre là. Voilà, et Ouais. tu m'englobes tous ces cons là. On est pas mal. Et là, tu vois comment tu peux te replacer. Bon, Si tu écoute, veux. je vais mettre Déjà là, tu là. peux le soigner si tu veux. Oui, c'est vrai. Tu peux soigner Zinlan si J'avais tu veux. oublié. Est-ce que je peux mettre un couteau sur quelqu'un? Genre mon mur qui ne prend rien. C'est clair. Puis là, même si tu veux te placer, voilà, tu te places comme tu le sens. Au Ouais, là milieu, c'est c'est pas bien, mal là. Sophia, au milieu. Parce qu'elle peut courir partout, c'est pratique. Et là, du C'est coup, j'ai vrai. un lieutenant qui, pareil, peut boostager des gens. Il nous reste Après, un il reste un point. tour à jouer. Il nous reste un point, donc je place un lieutenant par là. Je fais un ordre. Ah, c'est dommage de gaspiller l'ordre là, puisque Taurus n'en Non, profitera pas. gaspille pas l'ordre. Oh, Gaspille c'est pas pas tout à l'ordre. fait gaspillé non plus, hein. Parce que toi, t'as touché qui? Elle est touchée, ouais, Mélanine est touchée, y'a que Sophia qui est pas touchée, J'ai tirailleuse. touché tout le monde. J'ai touché tout le monde, sauf Sophia qui, elle, a donné l'ordre. Donc tu donnerais un ordre pour une seule personne. C'est pas Deux intéressant. personnes, Sophia et tirailleuse. Ah bah vas-y si tu veux. De Donc je le toute façon, fais, tu vas en générer puisque deux. Tu vas en je vais en générer deux. générer deux à la fin de mon tour. Pareil, hein, on va Taurus va perdre un pouvoir. peu. Aïe, 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 tirailleuse, au secours. Ouais, tirailleuse, en plus, j'essaie de la Non, mais placer, mais au t'inquiète, final, non. t'inquiète. Je vais placer un peu à la rachasse sur ce move-là, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est que j'ai tout le monde. Et que je cherche passage secret à 33%, ce que j'oublie tout le temps. Hein. Je suis le pire, hein, je t'ai dit, c'est le plus important, faut absolument le faire, je le fais jamais. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, visiblement. C'est à peu près ça, ouais. Mais c'est involontaire, hein. Je skip involontairement. C'est pas, je claque mes actions pour faire chier, quoi. Oh, il nous reste un petit point. Vas-y. Je peux le malaxer ou pas? Vas-y. Vas-y, va le malaxer, je sais que ça te fera Ah, du non, 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 j'ai pas le bonus. J'ai pas de bonus, ça nous déclenchera pas de bonus de points. C'est pas intéressant, c'est idiot. Ou on peut s'éloigner un peu. On peut s'éloigner un peu. Allez, glorieux! Dommage. Oh, c'est déjà très souvent glorieux. Alors Zinlan n'est peut-être pas placé du meilleur côté par rapport aux ennemis. Ouais, un petit pack de l'autre côté là, il y a un petit pack. Oh là 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 là. Et c'est Non, lequel c'est pas qui grave, joue c'est en pas grave. premier? Ok, c'est lui. C'est celui qui est dans les flammes. Donc bah attends, Bah, regarde, je vais regarde, sur regarde, un. regarde, regarde. Je prends un petit Non, mais je. Stevion. Ouais, Ouais, et. je sors juste un petit peu de son rang.
Ah oui, mais ça me fait attaquer sur la rupture. Oui, bah, c'est pas grave, hein. Rupture d'anévrisme. Ah putain, mes lances sont de la merde, au secours. Tu Je voulais revenir là et en fait, au moins, je te donnais des points. Voilà, là, t'as des points pour faire ce que tu veux. Putain, les dégâts pourris que je fais, quoi. Le pestiféré, hein, ça a l'air de rien, mais c'est vraiment ce qu'il y a de plus naze. Hein. Ça a pas d'armure, ça a rien. Juste quelques points de vie, je ne fais zéro dégâts, c'est horrible. Prochain pestiféré, il est au top à gauche. Mais je pense qu'avec Tyrius, tu peux le faire reculer. Hein. C'est ça. Il joue collé à tes potes là. J'ai oublié. Non, ouais. Hop. Voilà, excellent. Pas content. Bon, j'ai pas le bonus de kill, donc je vais pas aller chercher spécialement le kill. Toi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux jouer pour ralentir ce gros FDP incoming? Je peux placer la zone de Zinlen, par contre il fera pas de... Ça n'a pas d'intérêt, c'est... en plus tu le tueras pas. Non, mais je tuerai celui-là, ça c'est sûr. Par contre, je peux simplement aussi placer un lieutenant. Oui. En vrai. Qui va chercher passage secret. 1 milliard %. Eh, t'as bien monté là. Est-ce que ce serait pas dépendant de la volonté en vrai? C'est pas impossible. Mais je me demande surtout si c'est pas une quantité de... Genre, au début t'as beaucoup et plus tu cherches, plus il réduit cette jauge. Plus il est difficile de trouver. Et à chaque tour il réinitialise genre, tu vois. Ouais, ça doit être ça. Tu te stops. Donc ça peut être possiblement ça. Normalement, ça va venir chercher. Ça va venir chercher le lieutenant. Hein. Oui, je pense. Ah. Alors, moi, il a mis le coup dans le vide. Hein. De mon point de vue. Là, il n'y a pas grand chose à faire sur lui en bas. Malheureusement, je peux lui foutre un capitaine dans la gueule puisqu'il est immunisé au poison et tout, le capitaine. Mais, vas-y, c'est mieux à faire, je pense. Mais très probablement que ça va me faire claquer mon action de base. Ouais. Non, je pense pas. Tu mets un critique assuré. Ah oui, c'est vrai que j'ai le bouclier. Oh, le boubou. Hein. Le bouclier, la lanière de cuir, tout à proc. Hein. Garde augmentée de 10%. Voilà. The capitaine. Excusez-moi. Quoi ? Mais non, mais... Ton passage... Oh là 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 là. Mais non, c'est pas que j'ai oublié, c'est que je voulais cliquer dessus et qu'il m'a réinitié. En fait, il m'a mis... Vu qu'en fait, le problème, c'est que ma souris fait des multi-clics. Quand je clique sur adversaire, en fait, ça m'a affiché l'adversaire. Ça m'a affiché pendant un instant l'adversaire. Et vu que ça multi-clique, bah, ça m'a affiché l'adversaire et passé mon tour. Voilà. Mm-hmm. YouTube c'était bien, ne te croit pas. Hein. Bah, pourtant, YouTube, crois-moi bien qu'ils sont témoins. Ils sont témoins de garde à vue. Zinlen, qu'est-ce que tu pourrais faire de bien là? Je peux en tuer un, mais je n'aurais pas le chercher passage secret. Non, bah cherche ton passage secret. Ouais, mais c'est pas dérangeant là, il y a encore une personne et c'est pas initialisé. Non, moi je peux m'amuser. Envoyer un gros là. On va t'amuser. Envoyer un gros là, il y en a deux. Là, il y en a deux. Ouais. C'est le moment de s'amuser. Oui. Ouais. Si je m'aligne bien, je pense que je peux même pas prendre le groupe. Non, ouais. Ah, comme ça, il y a zéro menace. Il n'y a plus de problème. Ouais. Est-ce que moi j'ai des gens encore qui n'ont pas passé? Non, je crois que j'ai joué tout le monde, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Si je dis pas de bêtises, normalement c'est ça. Oh, l'autre il a enfoncé une porte à gauche. Bah, il y a presque plus rien à faire. Je peux jouer. Pff, pas grand chose d'intéressant à jouer. Si, je peux jouer un lieutenant, ouais, c'est ça. Ouais, je joue un lieutenant. Je pose une zone. Bon, c'est bon, tu vois. Bon, voilà. On est parti.
Je te laisse récupérer ton sang. Le sang de tes morts. Et continuer. Cette fois, je te tiens. Tu ne peux plus t'échapper. Mais vous êtes complètement folle. Les pistes pirées vont arriver d'un instant à l'autre. Voilà. J'espère que vous adorez le doublage. Mais c'est ton problème. Tu as choisi de te réfugier dans cet endroit. L'érudit. Et tu aurais dû te douter que dès qu'il grouillait de pestiférés. Ah, chut. Pour l'amour de l'œil, taisez-vous. On s'en fout. Faites la terre. Non, mais non, nous on aime la bagarre. On s'en bat les couilles, frère. Ils sont déjà là. Bagarre suivante. Ouais. 8 pestiférés, non mais 8 pestiférés. Mais je pense que ce petit combat se fera la prochaine fois. Oh là, des bisous ton tube. À l'année prochaine ou un petit peu avant. Au revoir.